C'est marrant parce que mon émission commence par boulet, est-ce que tu aimes les animaux? Et vraiment, c'est écrit quoi. Ça va, les animaux? Oh, ça dépend lesquels, hein. C'est comme tout. Tu peux pas aimer, c'est comme si tu me disais, est-ce que tu aimes les êtres humains? Il y a des connards chez les animaux, il y a des gens sympas. Et ben, du coup, il y en a un d'animal qui aurait mérité d'être dans une BD. Parce que c'est vrai qu'on connaît des dessinateurs qui font des personnages en animaux. Toi, pas trop, mais Trondheim, par exemple, lui, il utilise beaucoup les animaux pour les transformer en bande dessinée. Tu veux dire, est-ce qu'il y aurait un personnage du genre, est-ce que j'aurais voulu adapter un animal comme Mickey, la souris? Ouais. Moi, je l'ai fait un petit peu avec le panda, hein. Je l'ai beaucoup anthropomorphisé. Bon, tu l'as tué aussi, alors du coup, pour en faire des bonnets, souvent. Ouais. Oui, c'est vrai, le panda, tu l'utilisais beaucoup. Ben, en fait, moi, je voudrais te parler d'un raton laveur. Oh. C'est beau, le raton laveur aussi. Oui, bien sûr. Oui, je parle. Oui, mais bon. Pardon, Ten. Tu vois, il veut les cas, mais à partir du moment où tu parles un peu trop, il s'emmerde, il s'en va. Bon, ouais. Ok. Parlons d'un raton laveur de Géorgie aux États-Unis et qui a eu une mésaventure. Est-ce qu'il voulait protester contre la hausse des prix et les trains? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait des tendances dépressives? On ne sait pas. Ce que l'on sait, par contre, c'est que ce raton laveur, lors d'une nuit glaciale en Géorgie, moins 12 degrés, eh ben, il s'est retrouvé... collé. Les couilles collées au rail du chemin de fer. On est chez David, donc j'aurais dû me douter que ça allait directement partir sur les couilles. Ah oui, d'accord, je ne voyais pas qu'il était assis, là. Exactement, c'est le froid qui, au contact de ses boules, les a liées au métal. Par chance, des hommes sont passés par là et l'ont filmé. Ils n'ont pas fait pipi sur le rail pour le décoller ou un truc comme ça. Alors, première réaction humaine, lol, il est collé par les couilles sur le rail, je le filme. La vidéo est trouvable sur Internet, vous pouvez aller la voir. Mais effectivement, après s'être dit combien de millions de vues on va faire avec ça sur TikTok, ils se sont dit on va l'aider. Combien de millions de vues ils ont fait avec ça sur TikTok d'ailleurs? 27. Non, t'es sympa. 4 millions. Ok. 6. Mais c'est pas mal quand même. Je trouve que ça mérite plus. C'est vrai. Ils ont pris de l'eau chaude et une pelle pour le déloger. Parce que le problème, c'est que plus ils approchaient, bah, le raton laveur les attaquait. Parce que quand même, bah, c'est un animal, quoi, sauvage quand même. Avec la pelle, ils repoussaient et ils mettaient de l'eau chaude pour lui décoller les testicules. Donc 4 millions de vues. 5 minutes d'effort, ils parviennent enfin à le libérer. Et là, le raton laveur s'est enfui. Ils font toujours ça. Mais tu sais, en plus, quelquefois, comme des cons. Il y a une vidéo comme ça super célèbre où t'as un mouton qui est coincé ou une chèvre, je sais plus. Ouais. Et tu vois vraiment des mecs galérer pendant 5 minutes pour le sortir de cette espèce de tranchée où il s'est fourré. Et puis tu le vois s'enfuir comme un con en sautant de tous les côtés, puis il se recoince. 2 mètres plus loin. 10 mètres plus loin, tu le vois retomber dans le trou. Là. Et là, le dernier truc de la vidéo, c'est les poils de couilles du raton laveur qu'il a perdu sur la bataille où les gens font... C'est important. C'est leur gloire. Voilà. Mm-hmm. Toi, tu vois un animal, ses testicules sont collés sur un rail de chemin de fer. Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes ou tu aides l'animal ou tu fais les deux? Je pense que je fais les deux. Je pense que je commence par filmer. L'eau chaude, ça dépend où t'es. Hein. Moi, si oui, c'est vrai. Mon premier réflexe, t'as vu, c'était je pisse dessus parce que autant joindre l'utile à l'agréable. Pisser sur un raton laveur. Après, tu peux raconter l'histoire. Patrice Pâtisserie. Pour toutes vos célébrations les plus joyeuses, faites appel au talent de Patrice Pâtisserie. Anniversaire, communion, fête des mères, célébration religieuse, enterrement, fin de garde à vue, mise en demeure pour facture impayée, annonce de résultats sérologiques, licenciement suite à des comportements inadaptés au sein de la société, placement en coma artificiel, portefeuille volé à l'arraché, Patrice Pâtisserie vous accompagne dans les grands moments de votre vie avec gourmandise. Patrice Pâtisserie. Merci beaucoup, Ariel. Je t'ai déjà vu bloqué comme un raton laveur, mais chut. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, et ça, j'en suis sûr, nous recevons Gilles, aka Boulet. Bonjour. Salut, David. Ça va? Aka David. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas... Je m'appelais Gizmo au début de ma carrière. Ah, pourquoi mais pas. Mais au début, où je croyais avoir une carrière. Ouais, moi, je peux même pas te dire tous les pseudos par lesquels je suis passé. Ah, t'en as eu ? Ah oui, évidemment. À un moment, je faisais du tag dans mon lycée, et j'avais un pseudo de tagueur, mais non, je le révélerai pas. Ah bon ? Non, c'était... Parce qu'il y a encore des tags, encore, quelque part ? Ah non, je pense pas. Non, j'osais pas trop sortir du lycée, tu sais, donc... Ah, donc t'étais dans le lycée ? Ouais, dans le lycée. Et t'écrivais en petit ? Ah non, en revanche, j'avais vraiment repeint toutes les chiottes de tout le lycée. Ouais. Pas à la bombe, c'était surtout au marqueur. Je faisais des dessins, je faisais des fresques. Mais il n'y a que toi qui as ton style. On le reconnaît, un style Boulet, on l'a tout de suite. Bah alors, du coup, lycée, tout le monde savait que c'était toi. Alors, dans ma classe, ouais, tout le monde savait que c'était moi. Mais tu vois, en plus, c'était au lycée, j'avais pas mon style déjà clairement établi. Moi, j'ai fait qu'un tag dans ma vie. Hein. Et c'est pas moi qui tenais la bombe parce que j'avais pas les couilles. On commence tout de suite avec En bref de Kuntash. En bref.
Je sais pas pourquoi, mais dans cette bad news, j'ai l'impression que toutes les histoires pourraient être mises en bande dessinée. Écoute, je me concentre. C'est une vidéo sur TikTok. C'est l'histoire de Lawrence Okoy. C'est lui. Voilà. C'est Lawrence. Lawrence Okoy, qui est un ancien footballeur américain, comme tu peux le voir. Mm-hmm. Et il lui est arrivé un truc plutôt sympatoche. Il explique qu'il a des bactéries qui se sont introduites dans sa jambe suite à une coupure et que ça a engendré une cellulite infectieuse. Alors, les infections qui rentrent par des plaies, d'accord, mais une cellulite infectieuse, je connaissais pas. Un matin, il a vu sa jambe et s'est dit, mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a des trous. Oh. Ok. Il appuie dessus, ça reste, des crevasses se forment, sa jambe est devenue de la pâte à modeler. Mais ça se referme après ? Ça revient peu à peu. Du coup, il s'est dit... Autant bah, en faire des TikTok plutôt que de chercher... Faisons un TikTok et puis faisons un casting pour faire le film live de Barbapapa. Oui. Tu vois. Et puis surtout, il s'est dit, bah, je vais quand même peut-être aller aux urgences pour leur dire quand en même... Deuxième temps. C'est, en comme deuxième couilles, temps. C'est comme les couilles du raton laveur. C'est, tu filmes d'abord, après tu vas aux urgences. Tu fais 4 millions de vues et après tu vas aux urgences. Et aux urgences, on fait, mais merde, qu'est-ce qui se passe? C'est une infection qui, pas prise à temps, peut tuer. Ah bah oui, si tu deviens tout mou comme ça partout. Du liquide s'accumule sous la peau, ça gonfle. Et en fait, c'est pas ses muscles qui avaient changé, mais c'était juste qu'il y avait du jeu entre la peau et le reste de son corps, le liquide prenait partout. Alors après, qu'est-ce que ça peut impliquer d'être un homme de pâte à modeler, ça... Ça peut faire un petit écran de protection, tu tapes sauf et puis ton poing s'enfonce et ah. Sauf que là, si tu appuies trop, à mon avis, il y a un truc qui gicle quand même. Bon, si tu tapes, il est là, je ne crains plus les coups de poing, mais en revanche, il faut que j'aille aux urgences parce que je vais mourir. Parce que c'est une infection. C'est une infection. En bref. Scott regarde la télé avec sa femme. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf qu'on est en Floride. Et tu sais ce qu'il y a en Floride ? Il y a tous les plus gros cinglés de la Terre. Exactement. Et aussi, je pense, si tu mets l'accent sur Floride, je vais dire un alligator. Waouh. La journée est complètement banale, sauf que Scott entend frapper à sa porte. Il entend juste... Il se dit, mais j'attends personne, moi je suis devant la télé tranquille. Bon bah du coup, il se lève et il va voir. Il ouvre la porte et il n'y a personne. Ah si, un alligator qui vient de frapper à sa porte. Et le mec a à peine le temps de dire « What the fuck ?» Et il se fait mordre méchamment la cuisse. L'alligator essaye de le bouffer. Il s'est retrouvé à l'hôpital et l'alligator a été euthanasié. Donc maintenant, on est sur un Deliveroo inversé pour animaux. C'est-à-dire que l'animal prend son appli, il y a un mec en vélo qui vient le chercher, il le met dans son sac à dos, il l'emmène jusqu'aux portes de ses victimes. Je pense que c'est ça. Je pense que ça doit pouvoir se vérifier, ouais. Non mais en tout cas, non mais c'est fou. Mais la Floride, entre les alligators et les fanas des armes, ça fait pas rêver. Hein. Oui, non, non, ouais. Est-ce que t'as déjà fait le test Florida Man ? Oui, 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 avec ton anniversaire. Tu mets ton anniversaire plus Florida Man et tu cherches sur internet pour voir, tu tombes forcément sur un fait divers. Et donc, en tout cas, des scientifiques expliquent qu'au printemps, les alligators voient leurs hormones dédoublées. Ils sont donc plus téméraires. Ils sont en mode racaille, ils sont là. Wouh ! Ouais, c'est ça. Ah, et on va se rapprocher de chez les humains pour essayer de les boulotter, quoi. J'avais vu des trucs aussi où les alligators étaient assez territoriaux. Et ce qui fait que s'ils étaient hors de leur territoire, en gros, ils étaient moins agressifs parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Et c'est pour ça que tu vois des vidéos, tu sais, où tu vois des chats, par exemple, qui donnent des coups de patte à des ah ouais alligators. Et l'alligator, il s'en fout. Il fait, allez, laisse-moi. Et puis il s'en va, en fait. Ah, parce qu'il n'est pas chez lui, quoi. Ouais, il dit, voilà. Ah, ok. Donc il n'est pas en mode chasse. Il est un peu paumé. Il est là, je suis chez des gens. Je vais pas me faire remarquer. Je sais pas si c'est vrai. Encore une fois, j'ai fait comme toi, j'ai pas vérifier mes sources. Oui, j'ai une amie qui a bossé en Australie, c'est le voyage de un an où tu travailles à ramasser des fruits et en même temps tu fais toute l'Australie. Elle a on fait en connaît ça. Tout ça. Et à un moment, là pour le coup, elle est loin de Sydney, dans les coins paumés d'Australie, elle ramasse des fruits. Arrive 16h et vu qu'il fait méga chaud, ils arrêtent assez tôt la journée, donc elle dit aux autres, elle dit, je connais pas la ville, là je viens d'arriver, c'est ma première journée, ça vous dit qu'on aille boire un verre en ville et vous me faites découvrir la ville? Et là ses collègues de travail lui ont dit, ben non, c'est 16h, et alors? Ben, les alligators sont sur la route. C'est l'heure, tu sais. C'est effectivement, vrai. À cette heure-là, tous les alligators traînaient sur la route autour de 16h, et donc t'allais pas en ville, quoi. Wow. On regarde la pub de Rob. Vous perdez vos cheveux ? Les laboratoires Mourier ont la solution pour vous, grâce au shampoing perruque. Composé principalement de racines de poils de cul, le shampoing perruque vous permettra de retrouver des nouveaux cheveux à chaque utilisation. C'est cliniquement prouvé. Retrouvez votre chevelure d'antan. Perruque, ça repousse par là où ça pousse. Peut provoquer des effets secondaires comme une mauvaise odeur et des bruits de flatulence. Merci beaucoup, Rob. Toi, on a à peu près le même âge, mm-hmm. à peu près. Moi, dans une émission, j'avais reçu Julien Josselin. Oui. Et on parlait de drogue dans l'émission. Non, mais c'était un joint, il parlait d'un joint. C'est ça que je voulais c'est dire. C'est ça, oui, oui. La bœuf. Un buzz. On n'a jamais dit ça. Fumé un bon gros buzz. Quoi? J'ai jamais fumé.
Toi, t'as jamais entendu dire des bons gros buzz pour des joints? Si, je crois. Dans les années 90. Ouais. Et les gens dans les commentaires, il y en a plein qui m'ont dit n'importe quoi, des bons gros buzz, ça n'existe pas. Et il y a une partie des commentaires qui disaient si. Faut juste être vieux. Oui, c'est ça. Et il y a Miss Cracra qui est venue me voir en dédicace et elle m'a offert ça. En fait, on disait dans les années 90 un bon gros buzz parce que ça venait aussi de la marque Buzz. Oh. Se rouler un buzz. Et donc, ça a existé, je suis pas fou. Bah, je croyais que tu vérifiais pas tes sources, bah voilà. Bah, les gens le font à ma place. En parlant de sources, tu as sorti une bande dessinée. Ouais. Alors, je sais pas comment on dit. Beowulf. Ouais, tiré de la légende de Beowulf. Et c'est Béa comme Béatrice. Oui, voilà. Béa, c'est génial. Déjà, le dessin est méga beau. Merci. Alors, je vais te laisser raconter l'histoire, et surtout l'histoire d'avant la BD, mais pour expliquer, ça parle de l'enfance. C'est hyper mignon, et c'est la peur de devenir adulte, qui est la peur qui me terrorise depuis des siècles. Et donc, cette BD, je l'ai grave kiffé. C'est méga beau. Enfin, je te laisse expliquer. Et en plus, tu as fait ça avec un Américain. Avec Zach Weiner Smith, l'auteur de Saturday Morning Breakfast Cereals, avec qui j'avais déjà fait un livre, il y a quelques années, qui s'appelait Oggy and the Green Knight, qui était déjà tiré d'une légende. Et celui-là, pour l'expliquer en deux mots, la légende de Beowulf, c'est un roi décide de construire un château, il fait la fête avec ses chevaliers, ça fout un troll en rogne parce que ça le dérange, donc le troll débarque et bouffe la tête des chevaliers et les pulvérise. Le roi essaye de faire venir plusieurs vagues de chevaliers qui se font à chaque fois rétamer et bouffer la tête, et un jour il renonce et il est quasiment seul dans son château, il a plus de cour, et le troll rôde dans les environs et empêche quiconque de lui venir en aide. Et le royaume voisin, qui est un royaume ami, lui envoie Beowulf, qui veut dire Beo, l'origine c'est Bear, c'est l'ours, et Wolf le loup, donc c'est l'ours-loup, qui est un homme qui est censé avoir la force de 60 hommes dans chaque main, et Beowulf va aller foutre une branlée au troll, et tu sais, comme dans ces histoires-là, récupérer la moitié du royaume. Il y a eu un film très mauvais. Avec Christophe Lambert. Ouais. Et il y a eu aussi un film en 3D, tu sais, avec Angelina Jolie en CGI à poil, très perturbant, parce que c'est vraiment, si vous voulez une bonne définition de la Uncanny Valley, il faut voir ce film. Ok, d'accord. Et donc nous, on a fait une adaptation en BD, enfin c'est Zach qui a écrit cette adaptation. Et évidemment, vu que ça se passe dans le monde des enfants, c'est pas un troll qui mange la tête des chevaliers dans un château. C'est un enfant qui trouve un jour un trésor, qui le convertit en bonbons et en jouets. Et il y a une cabane dans les arbres pour défendre ce trésor. Et le méchant voisin, c'est un méchant comptable, qui terrorise les enfants parce qu'il est agacé par le bruit. Et il ne leur mange pas la tête, mais il les transforme en adultes. Donc il y a cette espèce de transposition où on est dans un univers où pour les enfants, devenir adulte, c'est l'équivalent de mourir. C'est pas ça la vérité? Un petit peu. Ouais. Et un jour arrive Beowulf du royaume voisin qui a la force de 60 enfants dans chaque main et qui va affronter le méchant voisin Grindel à main nue. Mais c'est pas tout à fait la peur de devenir adulte, c'est plutôt... On fait cette différence avec l'univers de Peter Pan où, tu sais, c'est les enfants qui veulent pas vieillir. Ouais. Là, les enfants, c'est plutôt des enfants qui savent que l'enfance n'a qu'un temps et qui vont la vivre à fond. En profiter. Ouais. Ils vont la vivre à fond avec intensité parce qu'ils savent qu'un jour, l'âge adulte va arriver et que ça sera la fin de tout, donc c'est plutôt... Ce qui arrive rarement, en fait, les enfants qui ont conscience de ça. Voilà. Merci. Je rappelle qu'il y a un festival ce week-end, le festival de BD de Saint-Junien, j'y serai, je suis parrain de ce festival, et la marraine, c'est Brigitte Lecordier, donc si vous voulez nous rencontrer à Saint-Junien, samedi et dimanche. En bref. Une étude de scientifique, hein. Vraiment, cette étude est une vraie étude qui a dit « les vaches rotent et pètent trop ». C'est bien possible. Du coup, bah, y a trop d'émissions de méthane. Le méthane, on a découvert quelque chose dessus récemment. Ça s'est passé en Allemagne où des vaches étaient dans une étable, peu aérée. Elle a explosé. Exactement. La vache. Oh, pardon, pas fait exprès. Exactement. Non intended. Il y a eu une décharge électrostatique. Un pet de vache a pris feu et boum, une partie de l'étable a explosé. Il n'y a pas eu de blessés, mis à part une petite brûlure sur le pied d'une vache. Ok, bah tout va bien alors. Elles ont dû être juste un petit peu surprises. Soufflé. Il y a dû avoir une grande lumière bleue. C'est bleu ou vert le méthane quand ça brûle, je sais plus. Je sais pas, mais en tout cas, et une petite odeur peut-être aussi. De l'extérieur, ça a dû être magique. Ah putain. Si c'était de nuit, en plus, t'imagines tout à coup l'étable qui devient toute verte et qui fait... Le mec, il est chez lui dans sa ferme, en train de regarder son étable avec un petit chocolat avant d'aller au lit, et ça fait... T'as contre-champ, tu vois juste le mec éclairé en vert pendant 2 secondes. Comme, wow. Comme l'épisode de Malcolm, tu sais, où ils essayent le feu d'artifice, où après c'est le jour. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la Bad News 210, à partir de 17 minutes 50, Davy admet.
Attends, je suis pas fort en bâton et en V. La numération romaine, ou chiffre romain, est un système additif seulement, qui ne permettait pas de calculer. Ils utilisaient les abacs pour ça, équivalent des bouliers chinois. En gros, ça vient d'encore avant l'Empire romain. Les bergers, même illettrés, avaient besoin de recenser leurs troupeaux, et les barres, les croix et autres symboles étaient faciles à graver dans leur canne de marche. Si le berger a 12 moutons, il fait passer 12 encoches sur sa canne, et à chaque fois qu'une bête passe devant lui, après, il passe son doigt sur l'encoche, comme ça, pour vérifier. Au bout d'un moment, il y a trop d'encoches, on se perd, on rajoute des symboles, d'où le V, la croix, etc. Les principaux symboles sont les suivants. Quand un petit est derrière un gros, on additionne. Quand un petit est devant un gros, on le soustrait. Alors je vous passe les subtilités et surtout les exceptions. Par exemple, 4 est possible, notamment sur les horloges. Notre façon de compter actuelle, en base 10, est quand même vachement plus pratique, même si, au Moyen-Âge, en France, on servait pas mal aussi du système vicésimal, avec des 20 partout. C'est resté, hein, 70, 80, 90, et l'hôpital des 15-20 à Paris qui accueillait, je vous laisse faire le calcul, 15 x 20, 300 aveugles. Base 20 parce que la plupart des êtres humains ont 10 doigts et 10 orteils. D'ailleurs, pour terminer, vous savez pourquoi on vend encore les œufs, les huîtres et les yaourts à la douzaine? C'est parce qu'en plus d'être facilement divisible, on peut diviser 12 par 1, 2, la fameuse demi-douzaine, 3, 4, 6 et lui-même, ça correspond au nombre de phalanges d'une main qu'on peut compter du bout du pouce de la même main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout en tenant dans l'autre des yaourts, ou des huîtres, ou des yaourts à l'huître. Au revoir les bâtonnettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. On passe à la bad news perso de Yo-Yo. Bad news perso, oh, oh. Je vous envoie ce mail pour vous raconter ma bad news qui s'est déroulée quand j'étais en séjour universitaire à Séville en 2019. D'abord, il faut savoir que 2 jours avant les faits, je m'étais rasé le crâne. Parce qu'on est toujours mieux sans cheveux. Lorsqu'il fait 36 degrés au mois de mai. Après, je suis allé au parc Astérix sans casquette. J'ai pelé du crâne, j'avais des cheveux en peau. C'était pas terrible. N'étant pas le dernier pour lever le coude, et parce que nous voulions nous imprégner de la culture andalouse, mon ami anglais Tom et moi étions déterminés à aller à la feria de Séville. Si bien que nous buvons avant de partir une bouteille et demie de vodka à deux. Nous devions rejoindre d'autres amis pour faire le trajet ensemble, et l'une d'entre elles nous explique qu'un racoleur l'a invité dans sa caseta, une sorte de tente gigantesque que les gens louent pour l'événement. Comme chacune de ces casetas dispose d'un bar, nous nous disons « Mais ce serait pas mal quand même, parce que plus les gens en étaient un peu bourrés, ça serait pas mal quand même. » On peut être plus bourré. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de me faire payer des coups toute la soirée. À ce moment-là, je ne sais plus parler espagnol, je peux très difficilement communiquer en anglais, et mon français ne se limite qu'à un... Ça, je suis bourré. Je décide donc d'appeler un Uber, je m'en vais sans dire au revoir à mes amis, et je m'éloigne pour uriner sur une devanture de magasin dont le sol est en marbre. Le problème avec les chaussures de costard, c'est que ça n'accroche pas au sol lisse, et encore moins quand t'es bourré. Il a glissé sur sa propre pisse. La tête la première, le crâne fracassé sur le sol, sur le moment ça va, et je rentre chez moi en Uber. En sentant l'urine. En sentant l'urine. Le lendemain, je me réveille au sol de ma chambre, couvert par mes draps en sang. C'est ma coloc italienne qui m'a raconté que j'étais rentré en renversant tous les meubles sur mon chemin entre la porte d'entrée et ma chambre. Par la même occasion, elle me demande pourquoi j'ai la tête en sang. Elle regarde, et oui, j'ai le crâne ouvert sur 3 cm. D'ailleurs, j'en ai un petit souvenir dans mon téléphone. C'est elle qui m'a désinfecté avec de l'eau oxygénée tout en m'engueulant, comme pourrait le faire ma mère, la honte. Donc ça veut dire que potentiellement, ce monsieur est tombé dans son urine et s'est ouvert le crâne. Dans son urine. Dans son urine. L'urine est censée être stérile. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Mais aussi, ouais, le crâne, ça saigne beaucoup. Ah oui. Moi, c'est une de mes visions d'horreur quand j'étais petit. Traumatisme. On était dans la bagnole et ma petite sœur était tombée parce que la bagnole avait démarré trop vite. À l'époque, on portait pas de ceinture. Elle était tombée, elle avait fait aïe comme ça en se tenant la tête parce qu'elle était tombée sur un petit boulon qui dépassait. Elle pleurait même pas, tu vois, elle était en pleine forme. Et puis elle descend de la voiture et l'arrière de son crâne était entièrement... Elle avait les cheveux blonds et une robe blanche. Imagine une gamine de... Elle devait avoir 5-6 ans. Carrie. Cheveux blonds et robe blanche, eh ben c'était intégralement rouge, vermillon du haut de son crâne jusqu'au bas de la robe. Ça faisait vraiment la scène de film d'horreur, quoi. Ah, mais elle avait que dalle, en fait. C'est juste que c'était le crâne et que ça. Mais vous aviez une petite coupure comme ça. Vous aviez un mariage ou un truc, tu sais plus. Non, c'était juste elle aimait bien sa robe blanche. Ok, quoi. D'accord, ok. Non, parce que ça fait vraiment genre toute la journée. Tu oh, bon, on l'a laissé comme non, ouais. Ça. Elle va sécher. Oh, bah, c'est un sujet de conversation. Ouais, c'est clair. Elle va sécher. Ouais. On passe à la bagnose du jour. Bad News 69 au MK2 Bibliothèque, c'est le 22 juin, 20h, avec des guests, Marion Séclin, Monsieur Poulpe, toute l'équipe de Bad News, de la musique, un concert, des sketchs, des vidéos, venez nombreux. La billetterie est juste en dessous. Réservez vos places. C'est marrant parce que quand t'es arrivé, tu m'as parlé de mon téléphone Garfield. Que j'aime beaucoup, je suis très jaloux. Voilà, eh bien, on va plonger dans l'étrange avec Garfield. Ça, c'est un bon représentant de la BD quand même. Oh oui. Est-ce que t'as un avis sur la BD Garfield ? J'aime beaucoup. La BD, c'est très, comment dire...
comme diraient les Américains, très vanilla, tu sais, c'est très neutre, gentil. Oui, c'est... ça attaque personne. Voilà, c'est comme les peanuts, tu trouves ça moins riche que les peanuts, mais c'est le truc familial, bienveillant, marrant. Ouais, faut savoir que ça paraît dans la presse aux États-Unis, oui. C'est trois cases par, tous les jours, un truc comme ça, et donc forcément il faut offenser personne. Oui, puis ça existe depuis 40 ans, oui, c'est ça. Et Jim Davis, il paraît qu'il est hyper sympa, j'ai eu que des bons échos sur lui, genre maintenant c'est devenu une entreprise familiale, je crois qu'il a un ranch... et qui vit avec sa famille, et tout le monde fait du Garfield. Enfin, vraiment, on m'a dit que c'était vraiment un bon gars, Jim Davis. Okay. J'aurais aussi une histoire flippante sur Garfield après la tienne, si tu veux. Ça marche. Garfield, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime les lasagnes, il a son chien Audi. Il aime pas les lundis, dites donc. Il aime pas les lundis. Oh là là. Audi, il lui fait tout le temps des blagues, le chien Audi. Oh, Audi, qu'est-ce qu'il est bête. Voilà, c'est ça. Eh bien, sache que nous allons pas parler de la BD, mais de l'analyse, ou plutôt du culte qui a été fait par une chaîne YouTube appelée Lasagna Cat. Tu connais ? C'est une chaîne créée par Fatal Farm, la ferme fatale, quoi, composée de Zach Johnson et de Max Jeffrey. Au départ, le principe de la chaîne est simple, mais chelou déjà. Hein. Recréer des strips de Garfield. En vidéo. En live action. Tellement bien. Et ajouter des rires à la série américaine, tu vois. Mm-hmm. Du coup, ils te montrent une vidéo où ils sont habillés chelou pour ressembler à Garfield. Ah, le furry Garfield, ça doit être moche. C'est ça. Et ils bougent pas trop, juste ils bougent la bouche. Pour faire les dialogues, et à la fin, tu vois le gag en dessin qu'ils viennent d'adapter. Et effectivement, autant en BD, quand tu lis comme ça, comme tu disais, c'est vanilla. Ça provoque un sourire. Ça provoque un sourire, mais pas le rire. Et quand tu le vois en vidéo, ça avec des rires, malaise. Ça provoque le malaise, effectivement. Le but, se moquer de la mécanique de l'humour de Garfield et l'esthétique... J'ai perdu 5 ans d'espérance de vie rien que par cette image. Moi, ce que j'adore, c'est la langue de Ozzy qui est... Bon, c'est ça, Lasagna Cat. La chaîne se lance en 2008. Le principe, c'est donc ça, se moquer des gags rien qu'avec les gags. Mais en 2017, la chaîne réapparaît. Parce qu'à un moment, il y a eu une pause. La chaîne revient après 9 ans sans avoir rien posté. Et d'un seul coup, il décide d'aller plus loin dans le délire. Il ne parodie plus les gags. Il propose le gag. Il y a la chute en BD. Et d'un seul coup après, ils partent en vrille. C'est-à-dire qu'ils amènent le gag ailleurs, ils développent ça en fiction, et parfois, ça devient très fou. Par exemple, il y a une vidéo qui dure une heure. Ok. Où on présente le gag en trois cases au début. Le gag, c'est « Oh non, où est ma pipe ?» John dit « Oh non, où est ma pipe ?» Il cherche, gag de fin, on voit Garfield avec la pipe. Jusqu'ici, c'est solide. C'est hyper solide. Eux, ils le refont, donc ça dure une minute. Et après, il y a un homme, face cam, qui est filmé genre comme un John Kett, tu vois, au cinéma, qui vient expliquer pendant une heure en quoi ce gag est hilarant et que Jim Davis, le créateur de Garfield, est un génie absolu. Pendant une heure. Il explique la métaphysique qui a amené à créer ce gag. C'est un petit peu sarcastique, on va dire. Hein. Mais j'ai très envie de voir la vidéo maintenant. C'est du génie. Vraiment, c'est du génie. Lasagna Cat, allez voir, c'est du génie. Jim Davis estime que Garfield est aussi connu que le Père Noël aux États-Unis. Je pense que oui, honnêtement. Tout le monde connaît Garfield. Oui, c'est vrai. Dans le monde même. L'une des vidéos les plus connues de Lasagna Cat est Sex Survey Result. C'est la dernière vidéo de leur chaîne. En gros, une vidéo un peu avant sur la chaîne invitait les gens à appeler un numéro, à dire le nom de la personne et à dire le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu dans sa vie. Mmh. Et ensuite, ils ont fait une vidéo de 4h40 où tu vois à chaque fois un des personnages en train de lire le journal, on sonne à la porte, la personne va ouvrir et quand elle ouvre, il y a un mannequin et le mannequin, on entend la voix qui dit le nom de la personne et le nombre de gens qu'elle a eu de partenaires sexuels dans sa vie. 4h40. Avec les mêmes mouvements de caméra pour en arriver à la fin où on voit John qui dit non. Oh, pauvre John. Donc, parlons d'une autre vidéo. Je sais pas si tu peux traduire. Il dit, John dit, je vais passer ma soirée à essayer tous ces différents échantillons de shampoing. Et Garfield se penche, regarde les petits flacons et il ajoute in petto et, et un échantillon de polish pour meubles. Pour meubles. Blague. Eux, ils font ce gag, le gag se termine, et d'un seul coup, ça devient une pub japonaise pour du shampoing, où John se retrouve à faire un bukkake de shampoing avec des japonais. Et le dernier truc, c'est qu'on lui met du polish à meubles sur la gueule. J'aime bien la bouteille qui dit furniture polish. Oui. C'est très littéral. C'est une chaîne, la chaîne la plus chelou. Ils n'ont jamais complètement expliqué pourquoi ils ont fait ça. La chaîne est terminé maintenant, ils travaillent tous dans d'autres métiers, de la télévision bien entendu. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir une chaîne vraiment étrange, allez voir Lasagna Cat.
Cats. Je ne sais pas pourquoi Garfield a obtenu cette espèce de statut d'icône comme ça. Il y a eu énormément de variations sur le personnage de Garfield. Une des plus célèbres qu'il y avait eu au début des années 2000, c'était Garfield sans Garfield. Et il y avait quelqu'un qui refaisait tous les gags de Garfield en enlevant Garfield et ses bulles. Donc on voyait juste John qui parlait tout seul. C'est génial. Et ça devenait hyper triste en fait, parce que tu voyais John qui parlait tout seul et puis qui s'en allait. Et puis il y avait des moments de silence parce qu'il y a des gags où il n'y a que Garfield. Et donc tu voyais juste une table vide où quand Garfield est à côté de son écuelle, tu voyais juste une écuelle de chat vide pendant trois cases et ça devenait, tout à coup, ça racontait une autre histoire. Ouais. Il y a un éditeur, il est souvent à Angoulême, il y a un éditeur belge, je crois, qui fait des BD un peu arty. C'est eux qui ont édité Tintin au Congo en congolais. Ok. Et ils ont édité le Schtroumpf noir en camaïeu de bleu. Ah oui, en une seule couleur. Mais je les connais, c'est pas eux qui ont fait aussi... Comment ça s'appelle, TNT en Amérique, ou c'est Tintin en Amérique, mais c'est que des cases noires avec juste les onomatopées. C'est ça, ouais. C'est une œuvre d'art, quoi. Ouais, ouais, on l'appelle en œuvre d'art. Des trucs un peu concept comme ça. T'avais un autre truc sur Garfield, t'avais dit? C'est une histoire qui m'est arrivée pendant un festival. Un jour, on nous a dit qu'on allait être, avec d'autres dessinateurs, c'était en Suisse, on nous a dit qu'on allait être logé chez l'habitant parce qu'ils n'avaient pas pris d'hôtel, ils avaient pris l'équivalent d'un B&B, quoi. Moi, je suis entré dans la chambre qui était censée être la mienne. Et elle était remplie du sol au plafond d'une collection de Garfield. C'est-à-dire, il y avait ce téléphone, il y avait des milliers de peluches différentes de Garfield, il y avait des posters de Garfield, il y avait évidemment les livres de Garfield, et il y avait la moindre surface était occupée par une peluche Garfield, par un mug Garfield, par une assiette Garfield. Mais quand je dis qu'il y en avait vraiment beaucoup, c'était... Je pense que cette pièce, elle est petit joueur à côté de vraiment la pièce en question. C'était... T'avais une diagonale qui partait du sol et qui allait jusqu'à la... Comme si c'était vraiment des blocs compacts de Garfield partout. Et c'est angoissant. Et moi, je dormais dans ce lit sur des oreillers Garfield, avec des draps Garfield. Et qui vivait dans cette pièce, en général? J'en ai aucune idée, mais j'ai jamais rencontré les propriétaires de la pièce. Et alors, le plus bizarre dans cette histoire, c'est que j'étais persuadé d'avoir pris plein de photos. Et j'ai regardé les photos de ce festival, et j'ai jamais retrouvé les photos de la chambre que j'avais faite. Elles sont effacées. Non, mais j'ai retrouvé les photos du festival en question, et pas les photos de la chambre. Et puis quand j'en reparle, je me dis, mais si, mais la chambre Garfield. Et donc maintenant, j'ai cette espèce de doute, mais est-ce que j'ai complètement rêvé? Mais non, j'ai dormi dans une chambre Garfield, j'en suis certain. Ça se passait où? En Suisse, c'était soit Sierre, soit Lausanne, enfin je ne sais pas. Mais... Si vous nous regardez. Et que vous avez une chambre Garfield. Dites-le nous. Ou que vous connaissez quelqu'un qui a une chambre Garfield. Depuis 20 ans. Voilà. Bah en tout cas, merci, Boulet, mais je t'en prie, d'être venu. On rappelle que ta BD est sortie, elle est disponible partout, c'est chez Albin Michel. Exactement. Puis on peut te trouver sur Instagram, tu fais plein de choses sur Instagram. Ouais. Et très bientôt, tu vas sortir une nouvelle BD aux éditions Exemplaires. Je vais sortir, Rogaton tome 2 en septembre, donc en septembre. Très bientôt. Entre-temps, j'ai eu Donjon qui est sorti. Merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 17h45, avec Eleanor Jenkins. Quand il s'essuie imaginaire d'un revers de manche et l'air, mais il savait tout à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre, et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver?